Bonjour les amis, c'est Diane Venet. On est là pour un nouveau numéro des 5 pénaux. J'ai choisi 5 pénaux pour ce mercredi 4 mai. Certes, avec des cotes pas très élevées, mais normalement des coups sûrs à l'arrivée. On va essentiellement se concentrer à Enghien avec les trotteurs et Longchamp avec les galopeurs. C'est parti! On commence mes 5 pénaux à Enghien avec un poulain très estimé par Pierre Vacruis. Il se nomme Jupiter. Jupiter, il a très bien couru pour sa rentrée au Croisé la Roche. Il affronte ici un lot largement à sa portée. Pour moi, dans cette course, Jupiter peut être un soleil. Dans cette même réunion, Alexandre Labrieur, l'actuel leader du Sulky d'Or qui marche sur l'eau actuellement, aura deux bonnes cartouches. Il aura notamment Bangladesi qui reste sur deux faciles succès et Hobbs, un cheval de qualité qui s'est très bien comporté la dernière fois à Vincennes. On file désormais du côté de Longchamp avec les galopeurs. On va s'intéresser à deux candidatures qui ont débuté victorieusement, notamment Goeva qui a fait forte impression à Saint-Cloud et c'est de nouveau la montre de Christophe Soumillon et Epic Poète qui a battu un certain L'Astronome qui a gagné deux courses par la suite. Vous connaissez maintenant mes 5 pédos en espérant qu'ils finissent au fond des filets et encaisser un max d'argent. A bientôt!